Ok, espérons, je te laisse la parole. Bon, alors tout d'abord, bienvenue sur ce webinaire sur le printemps des transitions à tous. Voilà, comme je n'ai pas l'écran avec vos visages, je ne sais pas trop qui se cache derrière cet écran. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes de fin d'année et je vous souhaite à tous une très belle année 2024. Je rappelle l'objectif de ce webinaire, il est de passer en revue la note de service que vous avez tous revue en décembre, et qui indique la reconduction en 2024 de la troisième édition du printemps des transitions des établissements de l'enseignement agricole. La présentation prendra environ entre une demi-heure et 40 minutes et sera suivie de 20 minutes de questions. Et vous pouvez aussi, si vous souhaitez, poser des questions dans le chat. Elles seront traitées en fin de l'exposé. Voilà, c'est bon. Merci. Oui. Voilà, c'est bon pour moi. Hein. Pardon. C'est hein. Bon, super. le bureau BDAPI a en charge la supervision du printemps des transitions avec les chargés de mission ADT et les DRAF. Comme a dit Marion, le webinaire sera enregistré et mis à disposition sur le site ADT dans l'après-midi. Voilà, le lien d'accès vous sera transmis. On va démarrer par un rappel de contexte et je vais laisser la parole à Marion qui va vous resituer cet événement Printemps des Transitions dans un ensemble d'événements qui vont avoir lieu sur l'année 2024. Merci Espérance. Donc Marion Lhôte, je suis l'adjointe au Bureau du Développement Agricole et des Partenariats pour l'Innovation, donc le BDAPI, donc à la DGER, qui supervise effectivement cet événement du Printemps des Transitions. Donc le Printemps des Transitions, il prend corps, donc en fait c'est une manière de communiquer autour de EPA2, donc EPA2 pour enseigner à produire autrement, hein, la politique publique que vous connaissez bien, qui s'étale sur la période 2020-2024. L'année 2024, donc l'année scolaire 2023-2024, est une période très importante pour EPA2 puisque c'est la dernière année scolaire du plan. Du coup, ça va être à la fois une période pour nous d'évaluation et une période de valorisation et de capitalisation de tout ce qui a été fait autour de EPA2. Et donc, on va avoir en fait deux grands moments dans la vie de EPA2 en 2024. Donc, le printemps des transitions qu'on vous présente aujourd'hui, qui est un événement, en fait, un chapeau d'événements que vous connaissez déjà, puisqu'on en est à la troisième édition. Le printemps des transitions, Espérance aura l'occasion de vous le redire à plusieurs reprises, mais c'est vraiment l'idée, en fait, de communiquer autour de ce que, des transitions et de la manière dont les établissements sont en transition vers le grand public, et notamment dans le but d'améliorer l'attractivité de l'enseignement agricole. Et donc de récupérer à la fois plus de collégiens, plus de lycéens, plus d'élèves dans les CFA, les CFPPA, plus d'apprentis, etc. Donc l'idée, c'est vraiment de montrer comment l'enseignement agricole répond à l'enjeu des transitions et on s'adresse au public extérieur. Et vous entendrez aussi parler d'autres événements et notamment ceux que les SRFD, les établissements et certains établissements mettront en place dans le cadre de ce qu'on appellera l'EPA2 Tour, mais qui sera un événement autour de PA2 plus interne. Donc aujourd'hui, on est là ensemble pour parler du printemps des transitions, donc vraiment un événement à vocation externe, c'est-à-dire qu'on s'adresse au public extérieur, aussi dans le cadre de l'aventure du vivant, pour améliorer l'attractivité et faire en sorte que on continue à augmenter en fait le nombre de jeunes, d'apprenants, d'adultes, etc., qui vont rentrer dans l'enseignement agricole. Espérance, je te laisse prendre la suite. Oui. Alors, on va démarrer cette visio par un bilan du printemps des transitions 2023. D'abord, le nombre d'événements. On a eu 171 établissements qui se sont mobilisés l'année dernière pour ce printemps des transitions, mais seulement 87 d'entre eux ont répondu en totalité aux critères définis dans la note de service et 45 ont été ouverts au grand public. Alors pourquoi en fait ce différentiel? Parce que l'événement a été porté plutôt au niveau interne
et non vers l'extérieur pour certains établissements. L'événement ne s'est parfois pas déroulé dans l'établissement, mais chez un partenaire, ce qui faisait partie de, qui n'était, faisait pas partie des conditions, ou bien l'événement a eu lieu en dehors de la période de planification. Et donc, il est important de prêter une attention particulière à ces points pour l'édition 2024, pour que vous puissiez faire partie de ce printemps des transitions. La participation en 2023 avait doublé par rapport à 2022, mais malheureusement, ce bon résultat n'a pas eu l'impact qu'on aurait pu attendre en termes de communication, compte tenu de ce que je vous ai dit. Et donc, ces événements qui ne rentraient pas dans ces critères ont été absents de la carte interactive que nous a fournie le service communication du ministère et n'ont pas fait l'objet, malheureusement, d'articles et donc n'ont pas été mis en visibilité du grand public. On voit donc qu'il existe une forte marge d'amélioration à la fois sur la couverture des critères et sur l'ouverture au grand public. Ce qui est un objectif essentiel sur cette dernière partie du plan EPA 2. Donc voilà, du coup, je rappelle les trois critères, ouverture au grand public, événement qui doit être fait dans l'établissement agricole et non pas chez les partenaires et les dates de programmation à respecter. En ce qui concerne les thématiques, on peut voir que... On peut voir qu'une large couverture des sujets, la transition agroécologique a été faite. Je ne sais pas, j'entends beaucoup de bruit derrière. Il y a un gros bruit derrière. Ouais. Voilà, si vous pouvez éteindre vos micros, s'il vous plaît. Et donc, on voit que la couverture des sujets sur la transition agroécologique est assez importante. Qu'une action est prévue sur le lycée. Alors là, j'ai encore du... Voilà, si vous pouvez couper vos micros. La participation des régions, c'est un élément de satisfaction puisque toutes les régions ont répondu à ce printemps des transitions. La promotion des événements, par contre, a été inégale suivant les régions. C'est donc un point à améliorer. Et je voulais rappeler que, à ce propos, que vous avez à votre disposition des outils de communication dont on va parler par la suite et le support d'une journaliste, Marie-Pascale Vincent, qui est présente et qui vous présentera certains aspects, certains volets de la communication. Voilà, nous y reviendrons un petit peu plus tard. Les objectifs de ce printemps des transitions, c'est un focus sur la valorisation des actions et des résultats obtenus par les établissements. Le printemps des transitions permet aux établissements de témoigner de leurs actions emblématiques liées aux transitions et de les faire connaître. Dans cette dernière année du plan, il est demandé de faire un focus sur la valorisation des actions et des résultats obtenus par les établissements. Pour améliorer la notoriété de l'enseignement agricole sur son territoire, pour rendre plus visibles et accessibles les transitions climatiques, agroécologiques, sociétales et alimentaires en cours dans l'enseignement agricole, valoriser les partenariats établis par les établissements avec le monde professionnel et essaimer les innovations obtenues par les établissements. Nous voyons à travers ces objectifs qu'il y a des audiences ciblées et nous allons voir aussi qu'il y a différents axes de communication pour les supporter. Et j'avais oublié, développer et montrer la participation active des apprenants dans la construction et la conduite des projets. Les publics concernés, le maître mot est qu'il s'agit de communication externe et c'est le grand public qu'il faut cibler. À travers les futurs élèves et étudiants et leurs familles, les enseignants et les équipes de direction des collèges, lycées ou autres établissements d'enseignement du territoire, bien sûr les professionnels et les autres acteurs du territoire, et puis aussi et surtout tout autre public intéressé par les transitions écologiques et climatiques, donc grand public.
les axes de communication. Le printemps des transitions offre l'opportunité de voir de l'intérieur les transitions qui s'opèrent dans un lycée agricole à travers les actions du plan enseigner à produire autrement pour les transitions. Sur un même établissement, on peut comprendre comment les transitions des métiers sont enseignées par les lycées agricoles. Chaque thème de communication est fondé sur l'expérience vécue et à une cible particulière. Donc, on va retrouver les transitions éducatives à travers le « Vie ma vie d'élève » en lycée agricole. Ici, on donne la parole aux jeunes. Des élèves témoignent de leurs engagements éco-responsables au quotidien. On est dans le concret avec des exemples vécus. La cible principale sera les jeunes de 3e en BTS. Les transitions pédagogiques. Donc là, on est sur les pieds dans l'amphi. Et donc là, ce sont les enseignants qui témoignent sur leur démarche pédagogique innovante. Quelques démarches pédagogiques sont développées dans l'établissement. Comment celui-ci intègre les enjeux des transitions dans ses méthodes pédagogiques. Par exemple, on peut mettre en scène un cours type classe ouverte avec la pédagogie commentée par une équipe d'enseignants, organiser un atelier de médiation scientifique. Bon, ça, ce sont quelques exemples. Les cibles principales sont les parents d'élèves, les enseignants, les prescripteurs d'orientation. Et puis, on a les transitions agroécologiques et climatiques, les pieds dans l'exploit. Troisième axe de communication qui donne la parole aux exploitations agricoles des lycées pour présenter leur innovation technique et leur expérimentation réalisée avec les classes en lien avec les partenaires extérieurs. Comment l'exploitation, atelier, plateau technique ou le laboratoire de recherche, par exemple, peut inspirer, initier des projets de transition pour et avec le tissu local. Par exemple, accueillir une table ronde sur un projet d'expérimentation en impliquant les enseignants et apprenants, les partenaires professionnels et collectivités. Voilà, les cibles principales sont les professionnels, les collectivités et les associations. Quel que soit l'axe de communication, je dirais qu'il s'agit de la preuve par l'exemple. Ces événements sont l'occasion d'encourager dans chaque territoire le passage à l'action sur les thématiques liées aux exploitations, aux transitions. Pardon. Alors, je pense que je vais aller plus vite finalement que les 40 minutes. Le dispositif de communication, aujourd'hui, en fait, c'est le lancement de ces événements à travers ce webinaire, donc le premier acte de communication. Mais pour vous aider ensuite à communiquer, puisque vous êtes les principaux acteurs, vous avez des outils et des supports à votre disposition, et on va y revenir par la suite. Une mallette pédagogique proposant une palette d'outils pour mieux communiquer, voilà, sur lequel nous allons revenir en détail. Un kit de communication personnalisé, diffusé à l'ensemble des établissements organisant un événement et que vous trouverez sur le site Chlorophylle. À cela s'ajoutent des formations en communication, une formation à une sur l'établissement de Florac en novembre en présentiel. Une suivante a été organisée le 9 janvier, donc il y a 2 jours, animée par Marie-Pascale Vincent. Et une prochaine est programmée pour, je crois, le 2 février. Tous ces éléments-là ont été communiqués par mail en décembre et vous avez le contenu détaillé sur le site ADT. Les supports de communication produits par les établissements seront diffusés via les canaux de diffusion nationaux de la DGER et de la DICOM, donc le site internet du ministère, le site Chlorophylle, le site ADT, le site Aventure du Vivant et les réseaux sociaux du ministère. Les canaux locaux et régionaux, bien évidemment, seront vecteurs de communication. Réseaux sociaux, sites internet des établissements, des préfectures et des DRAF et des DAF. Un modèle d'article de communication
que doivent utiliser les établissements organisateurs pour publier sur les canaux de diffusion du ministère a été fournie en annexe 2 de la note de service. Je ne sais pas si vous l'avez tous eu dans vos mains, cette note de service. Note de service qui annonçait donc la reconduction en 2024 du printemps de transition. Comme en 2023, une carte interactive des événements sur tout le territoire sera publiée sur le site du ministère et tenue à jour au fur et à mesure des événements qui vont se dérouler. La mallette pédagogique. Cette mallette a été réalisée en 2022 à la demande de la DGER en vue de donner des moyens aux établissements d'être autonomes dans leur communication. Donc, elle répond à des besoins beaucoup plus larges que le printemps des transitions, mais elle est quand même un outil important pour vous tous. Cette mallette est toujours d'actualité. Et je vais céder la parole à Marie-Pascale Vincent, qui l'a réalisée et qui donc va vous parler à la fois de cette mallette, mais aussi des formations qu'elle est en train d'organiser, de mettre à vos dispositions, et de l'appui qu'elle peut aussi réaliser de manière plus étroite, si certains d'entre vous ont besoin d'avoir un appui plus personnalisé. Donc voilà, Marie-Pascale, je vais te laisser la place pour aller plus loin sur ces outils de communication à disposition des établissements et de vous tous. Oui, bonjour. Peut-être un petit mot de présentation. Donc, je suis une ancienne journaliste et aujourd'hui, je travaille autour de la communication liée au plan EPA. Comme le disait Espérance, donc on a donc conçu cette mallette pédagogique il y a 2 ans dans le but de rendre tout un chacun un petit peu plus autonome dans sa communication. Cette mallette balaie différents domaines car la communication regroupe de nombreuses notions, de l'écriture à la vidéo en passant par la programmation de ses actions communication, les contacts avec la presse, les sites internet, etc. Et vous y trouverez les bases de ce qu'il faut connaître dans ces différents domaines. Alors, petit rappel également, cette mallette est en accès libre sur le site de Chlorophylle, pardon, et où vous pouvez la trouver sous un format feuilleté, mais également sous format PDF à télécharger. Et ça peut être intéressant d'utiliser ce format, car la mallette qui comprend 11 fiches différentes comprend également des outils pour vous aider à planifier votre communication, vos actions de communication. Vous trouverez un outil tout prêt pour vous interroger sur le but de votre communication, qui vous voulez toucher, quel message vous souhaitez transmettre. Et vous trouverez des outils pour planifier ces actions comme un diagramme de Gantt, prêt à l'emploi, etc. Je vais rapidement revenir sur certaines fiches qui peuvent vous être utiles directement dans le cadre du printemps des transitions. Alors, si j'avais quelques conseils à vous donner, en effet, sur les fiches à regarder en particulier, je vous conseillerais d'aller regarder la première fiche des notions de communication pour repérer les sujets à valoriser, parce que c'est aussi cette fiche, au-delà du titre du chapitre, c'est tout un tas d'outils, justement, comme je viens de le dire, qui permettent de planifier sa communication. Et ça peut vous être utile. Je vous conseillerais également d'aller regarder la fiche sur les réseaux sociaux, parce qu'on a vu que les événements que vous devez mettre en œuvre vont répondre à différents objectifs. Et si vous décidez de travailler sur les transitions éducatives, par exemple, en ciblant les élèves, eh bien, vous allez trouver quelques conseils pour voir sur quels réseaux sociaux vous pouvez essayer de faire passer votre communication si vous souhaitez toucher
davantage des élèves, davantage des familles. Pour les élèves, on utilise par exemple beaucoup Instagram. Pour les familles, on se tournera davantage vers Facebook. Et pour les professionnels, peut-être plutôt LinkedIn. Ensuite, je pense qu'il est important d'aller regarder la fiche 4 intitulée « Optimiser ses écrits ». On y trouve des conseils, des trucs et astuces pour améliorer sa rédaction et pour bien comprendre quelle forme doivent prendre vos écrits de façon à capter et à retenir l'attention du lecteur qui a l'habitude de faire du zapping et qui peut être volatile. Je vous conseillerais également de regarder tout ce qui concerne les photographies. La fiche 5 intitulée « Améliorer ses photographies ». Aujourd'hui, tout le monde fait de la photo, tout le monde utilise ce moyen de communication sur les réseaux, etc. Et il est donc très important d'aller vers quelque chose de qualitatif de la même façon que pour ses écrits, pour retenir l'attention du public, se distinguer des autres photographies. Et c'est un chapitre qui peut également vous être utile cette année, puisque le printemps des transitions, on en parlera sans doute plus loin, comporte un concours de photographie. Et donc, vous trouvez des petits conseils sur le cadrage, la lumière, comment vous placer par rapport à votre sujet. Et c'est que des choses très simples, mais qu'on oublie souvent, tellement on a l'habitude de prendre des photos à tout va. Et vous trouverez également dans ce chapitre des références sur les textes officiels du ministère en matière de droit à l'image, etc. Et ça peut également vous être utile. La fiche d'après est consacrée aux vidéos et vous y trouvez également des conseils de base pour faire réaliser des montages simples, y compris avec votre téléphone. Et je voulais souligner que cet outil vidéo est très utilisé par les élèves et le réseau des éco-responsables et ça peut également vous être utile pour toucher les jeunes et pour réaliser une communication qui leur soit directement adressée. Dans le chapitre « Rédiger un communiqué de presse », vous trouvez également des conseils pour vous adresser à la presse, comme son nom l'indique. Et il faut savoir qu'en ce domaine, les journalistes, y compris les journalistes locaux, sont submergés d'envois de communiqués de presse. Et c'est pareil, quelques conseils de base pour bien rédiger votre communiqué, programmer une relance. Il suffit pas de l'envoyer par mail. Vous devez appeler les rédactions quelques jours après l'envoi. Et ça peut être important de le regarder. Et j'ai envie d'aborder un sujet tout de suite avec vous. C'est le sujet des visuels que vous envoyez à la presse. Il faut savoir que les journaux ne publieront pas vos affiches, aussi belles soient-elles, sur le printemps des transitions, parce qu'ils considèrent que c'est de la publicité. Il faut donc leur envoyer soit des photos en rapport avec votre événement, soit des photos de l'événement de l'année précédente, qui peuvent également servir d'appel, et ne les envoyez jamais dans des documents Word, mais toujours sous format PNG et JPEG en pièces jointes. Ainsi, le journaliste a un outil tout prêt à utiliser et il va du coup, comme ça va être pratique pour lui, il va être tenté de bien faire passer votre communiqué de presse. Je vais passer plus vite sur les fiches suivantes. Il y a une fiche qui parle des sites internet évoquant les transitions. Ça concerne moins le PDT, le printemps des transitions, mais en même temps, vous trouvez un tour d'horizon des sites de l'enseignement agricole et qui sont susceptibles de publier vos informations autour du printemps des transitions. Donc, vous pouvez y jeter un œil. Ensuite, vous trouvez une fiche spécifique sur la présentation d'outils de mise en page et d'emailing. Ça peut être également utile pour votre communication. Et
Juste à savoir, on a privilégié dans cette fiche, surtout pour ce qui concerne la mise en page, parce que c'est plus difficile autour de l'emailing, mais des outils qui ont des versions gratuites et que certains d'entre vous connaissent déjà et qui sont simples d'utilisation, comme Canva, par exemple. Je vais passer sur la fiche « Faire remonter ces sujets au niveau national ». Alors, elle peut vous être utile, mais surtout en dehors du printemps des transitions, quand vous voulez parler de la vie de vos établissements au quotidien et que vous repérez des sujets d'intérêt national, vous y trouvez tous les contacts nécessaires pour que vos informations remontent sur le site de l'Aventure du Vivant, sur ADT, sur Éducagri, etc. La fiche communication responsable peut également être utile parce qu'on est dans un événement lié à l'agroécologie et il est bien quand même d'avoir une communication cohérente avec le but de cet événement. Donc, je voudrais insister sur le fait que cette mallette, elle sert également de support aux différentes formations qu'on propose. Donc, ça devient un peu récurrent, un PNF organisé à l'automne à Florac qui parle d'enseigner à produire autrement, mais qui peut également vous aider dans toutes vos actions de communication. Et pourquoi on maintient un stage en présentiel à Florac? C'est aussi parce que le fait de travailler ensemble pendant 3 jours permet d'avoir un certain nombre d'ateliers où on met directement en pratique tous les petits conseils qu'on trouve dans cette mallette. Et c'est aussi parce que le fait de se retrouver ensemble permet d'échanger sur les pratiques, parce que vous avez déjà des pratiques en matière de communication, et permet de faire réseau, de garder du lien et d'échanger, de bénéficier de l'expérience des autres et de faire bénéficier de votre expérience aux autres. C'est également très important. Donc, les prochaines dates, hein, 30 septembre au 3 octobre à Florac. Et je peux vous mettre les liens dans le chat pour aller directement sur la, site qui, sur la page qui est le site qui présente cette formation. Alors, dans le cadre plus spécifiquement du printemps des transitions, cette fois-ci, on organise également 2 formations en visio pour qu'elles soient accessibles au plus grand nombre. On a commencé le 9 janvier par une formation sur les écrits et spécifiquement la méthode de l'interview, un exercice qui vous est demandé dans le cadre des printemps des transitions et qui était présenté également en annexe de la note de service. Ce qu'on peut dire à l'issue de cette formation, c'est qu'elle propose des conseils pratiques, des exercices qui permettent tout de suite de se mettre en œuvre et de repartir avec quelque chose qui va servir directement dans votre communication autour du printemps des transitions. C'était un petit peu les retours qui ont été faits par les différents participants. Alors, pour tous ceux qui ont manqué cette formation, ce n'est pas fini. On en propose une deuxième le 2 février autour de la photographie cette fois-ci et en lien direct avec le concours photo. Je vous conseille évidemment d'y participer. Vous retrouverez une présentation de cette mallette, de la mallette ou boîte à outils communication en première partie et ensuite, on se dirige vers un atelier où vous pourrez déjà tester les conseils pour prendre des photos avec un complément sur que poster sur Instagram, comment s'y prendre, quelle longueur pour les textes, quel renvoi à faire, quel type de renvoi à faire pour avoir de l'audience et être relayé par les autres. Je vais donc mettre mon adresse mail dans le chat. Et si vous êtes intéressé par cette formation, contactez-moi directement. Je vous enverrai un formulaire à remplir et ainsi que le lien de la visio. Alors, en dehors des formations, pour conclure, je suis également à votre disposition pour si vous rencontrez des problèmes dans votre communication, que vous avez besoin de conseils
ou si vous vous dites, eh ben, bon, je ne pourrais pas aller partout, mais si vous vous dites, eh ben, chez moi, il se déroule un événement qui a un intérêt national, contactez-moi, je pourrais peut-être soit me déplacer, soit vous donner des relais pour que votre communication ait un écho national. Merci Marie-Pascale, je vais peut-être reprendre la parole parce que je vois le temps qui file. Mais comme vous pouvez le voir, en fait, vous avez tout un système d'appui en termes de communication qui peut vous être utile pour ces rencontres Printemps des Transitions, mais aussi bien au-delà, en fait. Merci Marie-Pascale. Merci Espérance. Alors, je vais poursuivre sur le kit de communication. Ce kit de communication, vous avez un ensemble de choses à l'intérieur, des bannières, des vignettes, réseaux sociaux, une affiche A3, des marque-pages, la carte interactive, des modèles de communiqué de presse, etc. Vous allez retrouver tout ça sur le site Chlorophylle, dont vous avez l'adresse qui figure sur le slide. Ce kit de communication, il a été actualisé en termes de coloris par rapport à l'année dernière. Donc là, on est plutôt sur du champêtre, rose et vert. Il est disponible, donc, comme je viens de le dire, et il est très important qu'il soit largement utilisé car il contribue à donner la visibilité à cet événement. Et ça n'a pas toujours été le cas les années précédentes parce qu'il était envoyé assez tardivement. Et là, en fait, nous avons pris le soin de le mettre sur Chlorophylle d'ores et déjà et d'avoir envoyé le lien sur la note de service Printemps des Transitions. Donc voilà pour le kit communication. On va passer à l'organisation de ce Printemps des Transitions. Donc comme on vous l'a dit, la DGER, le Bureau du Développement Agricole et des Partenariats pour l'Innovation, supervise l'ensemble du dispositif. Donc, le rôle de l'ADICOM, c'est la création des outils de communication et de promotion, comme on vient de voir. Le dispositif national d'appui, Marie-Pascale vient de vous l'expliquer, c'est tout ce qu'il y a autour de former les établissements aux outils de communication. Donc, il prend le relais. Ce qu'a pas précisé Marie-Pascale, c'est que le DNA réalisera aussi un bilan quantitatif et qualitatif de ces événements avec une revue de presse des articles collectés, classés par thématique et une revue des posts sur les réseaux sociaux. Donc, ça, c'est important du coup de bien communiquer dessus pour participer à ce bilan. Les drafts SRFD, donc on entend chargé de mission animation des territoires, sont chargés de la gestion des candidatures et de la communication locale. Donc, cela comprend information des établissements sur les attendus de l'événement, réception des candidatures à travers une enquête Sphinx, sélection, transmission des candidatures au BDAP par le biais d'outils que l'on a mis en place. Mais là, Emmanuel Bon, qui participe à notre visio, va faire un focus sur ce rôle, puisque la Normandie était l'un des premiers à participer à ce printemps, donc il va avoir des choses à communiquer, à transmettre. Et pour en finir, les établissements peuvent s'appuyer sur des enseignants référents EPA2 pour soumettre un projet d'événement, pour rédiger et diffuser des articles sur ces manifestations. Le cas échéant, les établissements peuvent aussi solliciter des personnels enseignants ayant souscrit par exemple à des briques du pacte et à leur chargé de communication. Je vais laisser la parole à Emmanuel qui nous fait le plaisir de venir nous faire ce petit focus sur le rôle de la région. Oui, tout à fait. Merci Espérance. Donc, bonjour à tous, Emmanuel Bon, DRAF de Normandie, SRFD, délégué régional à l'ingénierie de formation et chargé de mission ADT en charge du plan EPA2. Donc effectivement, depuis le début, on s'est impliqué et on a bien intégré les printemps des transitions dans notre stratégie régionale du SRFD
à la fois pour améliorer la lisibilité et la visibilité des actions de l'enseignement agricole au plan local dans les territoires, parce que c'est vrai que jusqu'à présent, on avait l'habitude d'organiser des séminaires plutôt régionaux et on avait beaucoup de mal à toucher les acteurs locaux. Voilà. Et donc, c'était en partie une réponse à ça. Et on est pleinement conscient du fait que ce sont des événements qui participent grandement à renforcer l'attractivité de l'enseignement agricole, des formations, de ces établissements et des métiers de l'agriculture. C'est pour ça que ça fait réellement partie de notre stratégie aujourd'hui. Alors, sur les trois dernières années, effectivement, on a constaté une montée en puissance du dispositif. C'est-à-dire qu'on a commencé par, je ne sais plus, 5 ou 6 printemps la première année. L'an dernier, on en était à 17. Voilà. Et si on a eu du mal à convaincre au début, parce que ça nécessite pour les établissements de mobiliser du temps, des moyens, aujourd'hui, c'est réellement un événement qui est bien installé dans le paysage régional, dans les établissements et les équipes, la communauté éducative, et y compris auprès de nos partenaires qui connaissent l'événement comme une marque collective. Voilà. Et puis nous, on a de cesse de communiquer là-dessus. Donc, de ce point de vue-là, c'est positif. On a des événements aujourd'hui, c'est déjà arrivé, qui réunissent jusqu'à 300 agriculteurs. Vous savez comme moi la difficulté qu'on a à mobiliser les agriculteurs. Quand on arrive à en mobiliser 300, c'est qu'ils viennent réellement chercher quelque chose et qu'ils ont des attentes par rapport à ça. Donc voilà, c'est encore une fois, c'est un bon levier. On valorise ça alors de différentes manières. Bon, au travers de la communication qui est mise en œuvre par la DGR, mais nous aussi au plan régional, avec des articles sur le site de la DRAF, dans le rapport d'activité de la DRAF, pour faire ça. Donc, on commence toujours par transmettre les informations qui nous sont données par la DGR, hein, par expliquer le sens de l'opération. Alors ça, c'était les premières années, auprès des équipes de direction quand on les rencontre en réunion régionale. Et puis, on informe également en parallèle des équipes de direction tous les porteurs de projets, quels qu'ils soient. Alors, notamment les référents EPA2, mais pas que ce soit les tiers-temps, les projets émergents, enfin, tous les gens qui, dans l'enseignement agricole, portent des projets. Voilà. On informe aussi nos partenaires. À partir de la deuxième année, on a signé, alors, ce n'était pas une convention, mais un accord, avec notamment la Chambre d'agriculture, pour qu'ils se fassent le relais des événements et qu'ils viennent en appui des établissements, à la demande des établissements, pour les mettre en contact, notamment avec des techniciens pour parfois informer les établissements des projets ou des techniciens qui étaient proches des établissements. Et ça, ça a été un levier aussi. Donc, on informe, on relance, parce que parfois c'est nécessaire, on expertise, c'est-à-dire que, alors jusque l'an dernier, on était chargé de saisir les printemps dans une base de données, je ne sais plus si Redona, je crois. Et ouais. Du coup, c'est l'occasion pour nous de demander aux établissements voilà, comment vous prévoyez de faire, qu'est-ce qui va être organisé. Parfois, de faire un retour en disant « Attention, là, vous n'êtes pas bien dans les clous. Le » Le plus gros biais, entre guillemets, c'est que parfois, les établissements, ils oubliaient que printemps des transitions, c'était notre marque collective. C'est-à-dire qu'il y avait l'événement qui répondait au cahier des charges, ils donnaient leur propre titre à l'événement sans mentionner printemps des transitions. Donc ça, bon, ben voilà, c'était pas possible parce que ce qu'on veut, c'est que ce soit identifié, qu'on sache que dans tous les établissements, c'est le même type d'événement. Voilà. Je termine. On fournit quand il y a besoin un accompagnement, y compris un modèle de communiqué de presse, par exemple. Voilà, et on a organisé des beaux événements. Alors, en tant que chargé de mission ADT, parfois ça m'arrive que les établissements me sollicitent aussi pour animer une journée. Voilà, donc je l'ai fait avec plaisir. Ça permet effectivement d'avoir quelqu'un de l'extérieur qui permet de contribuer à la réussite des projets. Bon, malheureusement, on ne peut pas être sur tous les événements, mais quand on peut le faire, on le fait avec plaisir. Voilà, donc je dirais qu'aujourd'hui, bah, c'est une opération qui est bien ancrée dans le paysage. Alors, c'est des projets évolutifs dans le sens où
les années passant, la qualité des journées qui sont organisées est meilleure chaque année et s'inscrit de plus en plus dans les attentes par rapport au cahier des charges. Voilà. Donc je vous engage effectivement à vous mobiliser parce que ça fait, c'est un levier parmi d'autres qui contribue au rayonnement de l'enseignement agricole. Voilà ce que je pouvais vous dire. Merci Emmanuel. Écoute, on va poursuivre parce que je m'aperçois que le temps y file et on a démarré un petit peu plus tard que prévu. Donc voilà. Alors, du coup, je vais reprendre la parole sur les changements. Les changements, en fait, on va être sur une période un peu plus longue. On s'est aperçu que l'année dernière, on avait des événements qui étaient proposés hors des clous. Et donc, on étend la période du 1er mars au 30 juin pour ces événements. On va ouvrir ces événements à l'enseignement supérieur. La demande a été relayée du reste par notre sous-direction de l'enseignement supérieur aux établissements concernés. Et vous avez pu le voir, on a utilisé le logiciel d'enquête Sphinx pour recueillir les participations des établissements, ce qui simplifie en fait la remontée des données. Voilà pour les changements. Les nouveautés, elles sont au nombre de deux. Un concours photo, donc comme vous a dit Marie-Pascale, mais aussi la possibilité d'obtenir pour les élèves des open badges. Alors, je vais aller très vite sur le concours photo. Vous aurez des informations un peu plus tard que l'on vous fera passer. On n'a pas encore complètement posé le cadre de ce concours. Et ensuite, je laisserai la parole à M. Petitqueux qui nous a aidé à mettre en place ces open badges et qui, il vous dira mieux que moi ce qu'il fait, mais qui, en fait, est responsable au niveau national de la mise en place de ces open badges. Pour le concours photo, donc on organise ce concours dont l'objectif est de valoriser les élèves illustrant au travers de photos le thème de l'agroécologie et des transitions pendant les événements du printemps des transitions. Ce concours est exclusivement ouvert aux élèves de l'enseignement agricole public, privé, enseignement supérieur, ayant participé à ces événements. Alors, il s'agit d'un élève ou d'un groupe d'élèves et il s'agit de proposer une photo ou bien une série de photos qui illustrent les transitions. Voilà. Le calendrier, en fait, jusqu'au 30 juillet, les chargés de mission ADT et DEI vont pouvoir récupérer ces photos. Du 1er au 15 septembre, on fera une présélection. Le 1er octobre, il y aura une mise en ligne sur le site du ministère. Entre le 1er et 30 octobre, une sélection des photos par le jury. Novembre, une annonce des photos retenues. Et décembre, pour le séminaire conclusif d'EPA 2, il y aura une remise des prix. Mais de quel prix, on ne sait pas encore. Donc voilà, vous aurez toutes ces informations ultérieurement. On vous donnera les critères d'éligibilité. Je serai le point de contact en fait pour m'adresser toutes les photos avec un objet concours photo printemps des transitions. Voilà. Le jury, on peut aller plus loin, mais je crois que c'était marqué sur la note de service, sera composé de représentants de la DICOM, de chargés de mission ADT-DEI, d'un représentant réseau thème, du DNA, aussi de directeur de PL et peut-être, on m'a fait la suggestion et je trouve qu'elle est intéressante, d'un professionnel de la photo qui pourrait aussi participer à ce jury. Mais comme vous pouvez le voir, le décor n'est pas encore tout à fait posé. En ce qui concerne les open badges, la DGER a créé un open badge printemps des transitions, j'ai contribué, qui va permettre de valoriser une participation active des élèves à cet événement labellisé. Et donc là, je vais passer la parole à M. Petitqueux, qui va vous embarquer dans ce monde fantastique
des Open Badges. Et merci Philippe d'être présent avec nous aujourd'hui. Je vous en prie, bonjour, vous m'entendez correctement? Oui, tout à fait. Très bien. Donc oui, en quelques minutes, présenter l'Open Badge donc, que propose la DGER pour valoriser les contributions au printemps des transitions. C'est un open badge qui ne vient pas juste reconnaître une contribution et puis c'est tout. C'est aussi l'idée que vous pouvez, pour les établissements volontaires, l'utiliser comme outil de support à l'animation autour de ces actions et encourager ou accompagner les apprenants à documenter leur badge, parce qu'on peut utiliser ce badge comme un micro-portfolio. On peut y ajouter des photos, du texte, des liens. Voilà, pour documenter leur contribution. Ce badge peut ensuite être bien valorisé sur les CV, sur un passeport de badge, et leur permettre à chacun des porteurs de ce badge bien de parler de ce qu'ils ont appris à travers leur contribution. D'un point de vue technique, en fait, il s'agit d'un formulaire de demande de badge dont le lien va vous être fourni à travers où les établissements les chargés ADT. Donc, on a une petite animation juste après sur une diapositive, la suivante, s'il te plaît, Espérance. La suivante, voilà, qui montre un lien vers un formulaire avec un code qui va être fourni donc, par la DGER aux chargés d'ADT, qui ensuite transmettront aux établissements qui ont été labellisés. Et ensuite, chaque établissement va pouvoir transmettre ce lien et le code qui va avec aux apprenants qui souhaitent valoriser leur contribution. Donc, c'est un formulaire comme n'importe quel formulaire qu'on trouve sur le web. Il y a des champs où on va demander quelques toutes petites questions. Voilà, qu'est-ce qu'on a appris à travers cette action? Mais comme je vous l'ai dit juste avant, les apprenants peuvent à tout moment ajouter, documenter leur badge avec des éléments comme des photos, des vidéos, des liens, voilà, pour enrichir le badge. Pour vous expliquer... Moi, j'ai une petite question. Oui. Excusez-moi de vous couper. C'est peut-être moi qui n'ai pas tout suivi. Établissement labellisé, on parle de quel établissement? Alors, dans la note de service, il est indiqué que les établissements qui sont retenus pour le printemps des transitions sont labellisés. Peut-être que j'ai mal interprété. D'accord, ok. Non, mais c'était pour que ce soit clair. C'est-à-dire qu'à ce jour-là, aucun établissement n'est labellisé ou pour le printemps des transitions 2024? C'est ça. Pour l'instant, les établissements n'ont pas été labellisés, effectivement, puisqu'on en est au stade de récupérer les propositions. D'accord, donc cette proposition, elle analyse, vous labellisez ou pas l'établissement, et c'est à partir de là qu'on pourra demander les open badges. Tout à fait. À ce jour, on a 9 réponses le retour de l'inscription, et ça va se faire au fur et à mesure, comme je disais, sur des critères en fait qui ont été établis dans la note de service. D'accord. Merci. Je vous en prie. Et sur d'un point de vue technique, on peut passer à la dernière diapositive qui explique l'accompagnement qui est proposé aux établissements qu'ils souhaitent. Donc, j'ai oublié de me présenter, Philippe Petitqueux, je suis délégué régional au numérique, collègue d'Emmanuel Bon en Normandie et co-animateur du dispositif Acoustis qui accompagne aux usages du numérique les équipes pédagogiques de nos établissements d'enseignement. Et dans ce cadre, nous organisons régulièrement des webinaires pour accompagner les établissements à utiliser notamment les badges. Et on va faire un après-midi spécifique le 20 mars de 14h à 17h vous expliquer comment vous pouvez utiliser les badges pour valoriser les apprentissages liés aux transitions. Le programme vous sera fourni à la fin du mois de janvier. Et entre-temps, si vous avez des questions, vous pouvez faire appel à nous sur acoustis.edupegri.fr. On vous proposera donc ce programme fin janvier. Voilà. Pour tous les établissements qui ne connaissent pas encore les badges, vous pouvez en savoir plus. Voilà ce que j'avais à dire, Espérance. Merci Philippe. Donc voilà, deux nouveautés, concours photo et open badge. L'année dernière, dans le bilan, les gens ont demandé
de reconnaître cette participation au printemps des transitions, des élèves, des enseignants, etc. Voilà qui est fait à travers ces deux moyens. Alors, ensuite, je vais poursuivre sur l'agenda. Donc, très vite, parce que on a pris un petit peu de retard. Voilà, là, je suis partie sur ce que je ne voulais pas. Voilà. L'agenda. Donc, vous avez bien reçu la note de service. Alors, j'ai marqué novembre, mais en fait, oulala, mon agenda, il est un petit peu faux. En décembre, la date de candidature, de limite des candidatures pour les établissements pour leur inscription se fait donc sur Sphinx. Vous avez reçu le lien à travers la note de service le 2 février. En ce qui concerne les trois formations de communication dont Marie-Pascale Vincent vous a parlé, donc une s'est déroulée en novembre en présentiel à Florac et une cette semaine en visio, la prochaine le 2 février. Les chargés de mission à des TDEI vont nous transmettre au fil de l'eau en fait les dossiers puisqu'ils vont avoir leur regard de sélection et d'accompagnement. Et la période événementielle donc, va démarrer au 1er mars pour aller jusque fin juin. Voilà pour l'agenda. Je vais vous laisser peut-être prendre la parole pour les questions. On a un petit peu... dérivé sur le temps, mais j'espère que vous pouvez nous accorder 10 minutes de plus et ensuite on conclura. Voilà. Si vous, la parole, voilà, je vous passe la parole. Si vous avez des choses, des précisions à avoir, et de toute façon, moi je reste en fait à votre disposition après, bien évidemment, ce webinaire. Espérance, je te propose que tu arrêtes le partage, comme ça ça va permettre de revoir à peu près tout le monde. Et donc ceux et celles qui souhaiteraient prendre la parole, je vous propose de l'utiliser la petite icône de lever la main, ce sera plus facile. Pour les gens qui sont obligés de nous quitter, vous pourrez revoir la vidéo puisqu'on garde l'enregistrement jusqu'à la fin. Il y a eu essentiellement deux questions d'établissement qui avaient des événements qui commençaient avant la date du 1er mars et qui se posaient la question de la valorisation. Donc, idéalement, on essaye quand même d'avoir un maximum... Enfin, les événements qui portent l'appellation Printemps des Transitions et qui sont labellisés dans ce sens-là, on essaye vraiment qu'ils soient dans ces créneaux de date de 1er mars, 30 juin. Si vous avez des événements que vous souhaitez valoriser en amont, ce qu'on vous propose, c'est de pouvoir nous communiquer des articles qu'on pourrait passer ensuite sur le site ADT. Et c'est de cette manière-là qu'on peut aussi valoriser le travail que vous faites et les événements que vous mettez en œuvre. Oui, on peut... Juste Marion, je ne sais pas sortir de ce diaporama. Mais normalement, il y a une modalité arrêter le partage. On va vous mettre le lien, effectivement, de la note de service dans le chat. Et on vous le remettra aussi sur le diaporama. Bon, désolée, je trouve. Non, c'est se trouve en bas de l'écran. C'est en bas de l'écran, ce n'est pas sur le PowerPoint, c'est en bas de l'écran que ça se trouve. Partager et arrêter le partage, en bas de l'écran. En bas de l'écran, à côté de démarrer et arrêter la vidéo. Voilà, partager, arrêter le partage. Dans l'application, pas sur la fenêtre. Dans l'application. Voilà. Je suis désolée, je ne trouve pas note. C'est dans Webex, c'est pas dans PowerPoint. Oui, c'est dans Webex. Bon. Oui, en dessous, en bas de la fenêtre de Webex, à côté de lever la main, par exemple. Si quelqu'un peut, Marion, tu peux pas, toi, me débrancher. Non, mais c'est pas grave. J'ai vu qu'il y avait une question. Il y a Caroline Dujardin de Bretagne qui souhaitait prendre la parole. Oui, bonjour. Caroline Dujardin, du coup, chargée de communication à la DRAF. Et je suis ravie de participer à ce webinaire parce que, du coup, c'est vrai qu'on voit le printemps des transitions. Bah, moi, je sais que l'année dernière, j'avais essayé un peu de courir après l'événement et... Et là, d'anticiper, c'est bien.
surtout que c'est vraiment un outil de mise en valeur de ce qui se fait dans les établissements, donc c'est top. Du coup, juste de préciser de ne pas oublier de mettre les chargés de communication des drafts dans les boucles, c'est super. Nous, on a notre expérience chargée de communication, et puis on est tout le temps en relais avec la DICOM, donc voilà. Et puis après, alors j'avais juste une précision, il y a une date butoir du 2 février pour les candidatures, et moi ça me paraît proche en fait pour les établissements, et c'est pas possible de faire du fil de l'eau et de déclarer au fur et à mesure, par exemple ceux qui sont en juin, de le faire, je sais pas, 2 mois avant quoi. Alors en fait on a une double problématique qui est que on souhaite déjà avoir quand même, en fait... Si vous voulez, la date du 2 février, c'est pas une date, c'est-à-dire qu'on va pas fermer les propositions après le 2 février, mais on avait besoin de mettre cette date pour avoir déjà quand même un maximum d'événements sur lesquels on puisse communiquer, notamment au moment aussi du salon de l'agriculture. Donc c'est pour ça qu'on a cette première date proche, c'est qu'on souhaiterait vraiment que du coup on ait un maximum d'événements qui soient déjà annoncés. Et donc effectivement dans la note de service c'est indiqué le 19 janvier, je confirme que c'est bien le 2 février la première date de butoir, parce que derrière on va sortir les cartes interactives, et la carte on voudrait pouvoir effectivement la sortir la première fois qu'elle sort, il faudrait déjà avoir un grand nombre d'événements. Après, vous pourrez toujours, on a prévu en fait des mises à jour au fur et à mesure de la carte interactive et des informations de calendrier, mais plus tôt on aura les informations, mieux ce sera pour la communication nationale qu'on souhaite enclencher. Ok, parfait, merci. L'année dernière, on a reçu des choses en fait vraiment très tardivement, à 15 jours de la fin des événements, et c'est vrai que c'est même un petit peu dommage pour les événements qui apparaissent sur la carte interactive, parce que du coup, ils apparaissent vraiment tard, quoi. Alors, je vois qu'il y a main levée d'Élodie Brébon. Oui, bonjour à tous. Moi, j'avais une question plutôt courte. Je voulais savoir si les événements qu'on présentait au printemps des transitions, c'était des événements qu'on réalisait exclusivement dans le printemps des transitions, ou est-ce que c'est des événements qui se situent entre mars et juin et qu'on peut valoriser dans le printemps des transitions? Je suis claire ou... Oui, 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 bien sûr. Moi, je dirais qu'ils sont quand même dans un cadre printemps des transitions. En fait, on ne peut pas mettre tous les événements qui seraient dans ce laps de temps, parce qu'ils sont dans ce laps de temps, en fait. Il y a un certain nombre de critères dont on a parlé, donc voilà. Il faut quand même que ce soit conçu pour cette série d'événements. Je ne sais pas ce que tu en penses, Marion, mais du reste, l'année dernière, il y a des événements qui ont été glissés dans ce laps de temps, mais qui n'avaient pas les critères et qui n'ont pas été retenus. Donc, l'important, c'est d'avoir bien quand même respecté tous les critères dont j'ai parlé. Merci. Je vois une autre main, Adrien Faubernier. Oui, c'est ça. C'est par rapport aux questions qui avaient été posées dans le chat. Je me demandais si, par exemple, un événement dont l'action a déjà été effectuée, mise en œuvre, mais est-ce que c'est quand même possible de créer un événement dans le cadre du printemps des transitions pour mettre en valeur et communiquer autour de cette action qui a eu lieu, même si c'est après que l'action ait eu lieu? Alors moi, je ne comprends pas bien. Qu'est-ce que ça pourrait être comme situation? Comme ce qui avait été écrit dans le chat, finalement, où il y avait par exemple des actions qui avaient été réalisées pour la plantation d'une haie ou des choses comme ça, et le fait après d'organiser un événement après pour communiquer autour de cette action, est-ce que ça peut être inclus dans le printemps des transitions? Mais ça veut dire que vous organiseriez un événement de valorisation d'une action qui s'est passée avant, mais du coup il y aurait quand même un événement? Oui, effectivement, mais sur une action qui s'est passée avant, quoi. C'est pas.
Je ne sais pas si je suis clair. Bah, en fait, ce qui n'est pas très clair, c'est que en fait, je pense que c'est peut-être l'utilisation des mots action et événement qui n'est pas forcément très claire dans ce cas-là. Ce que je répondais dans le chat, du coup, c'est que si vous avez en fait une action qui est faite avant le 1er mars, du coup, le printemps des transitions n'est pas encore, on va dire, ouvert. Ce qu'on vous proposait, c'est de communiquer via un article sur le site ADT pour pas perdre effectivement cette action autour de PA2 qui peut être intéressante. Dans ce cas-là, si c'est fait avant le 1er mars, on peut communiquer sur le site ADT, mais pas sous le chapeau printemps des transitions. Par contre, s'il y a un autre événement qui se passe à l'intérieur de la date et qui correspond aux critères, oui, dans ce cas-là, c'est le printemps des transitions. D'accord. Merci. Excusez-moi, je vais reprendre la parole par rapport à ce qui vient d'être dit sur les projets faits en amont. Mmh. Je ne sais pas si… par rapport à… Parce que bon, sur le thème D, forcément, on est sur ce thème-là, en fait, avec accueil de professionnels. Et par rapport à la communication sur ADT, comment on met ça en place, en fait? On adresse nos actions à quel… Qui va faire le relais de cette information, en fait? Voilà, c'est ma question. Je ne sais pas si c'est très clair. Alors, moi, je vous proposerais bien de me l'envoyer dans un premier temps pour que moi, je le transmette. En fait, la personne qui s'occupe de ce site aujourd'hui, c'est Florence Duic. Je pense que c'est peut-être mieux, en fait, que le bureau… des choses en fait et qu'on regarde comment on met en musique tout ça sur le site ADT. Enfin, moi, donc, ça serait donc à votre adresse ou on a une adresse plus… À mon adresse mail en fait, espérance.bradley@agriculture.fr. Je ne me suis pas présentée d'ailleurs au début, mais voilà. Et je peux aussi servir de relais, Espérance. Oui, on peut être effectivement toutes les deux, Marie-Pascale, Vincent et moi, dans la boucle, en fait, pour pas que les choses arrivent en direct, en fait, et qu'on ait une visibilité globale avant de passer les choses sur le site ADT. Et mon adresse est dans le chat. Merci beaucoup. Merci. Alors, je vois pas tout le monde, donc vous dites… J'avais une question, Espérance. Oui, Marie-France. La parole. Moi, je n'ai pas souvenir d'avoir reçu un lien pour Sphinx, alors peut-être que je l'ai raté. Hein. Et je ne suis même pas sûre d'avoir accès, donc je ne sais pas comment on fait pour regarder. En ce moment, nous, on appelle tous nos référents PA2 dans la région pour savoir ce qu'ils ont prévu de faire au niveau du printemps et transition. Donc, on est au courant de pas mal de choses. Mais l'accès Sphinx, là, je suis un peu… je ne suis pas à l'aise, quoi. Alors, oui, mais c'est normal. Le lien Sphinx, en fait, il a été donné sur la note de service. Ce sont les établissements qui vont rentrer leur participation sur ce questionnaire, enfin, sur cette enquête. Ensuite, moi, je vais aller récupérer ces informations, les placer sur Resana. Et à ce moment-là, vous aurez la possibilité de faire, de jouer votre rôle, en fait, de filtre, de conseil, etc. Le fait d'être passé par Sphinx simplifie la saisie des données, mais oblige à ce que ça repasse par le bureau parce que Sphinx, vous n'avez pas accès en direct sur ce logiciel. Merci. Donc, voilà, moi, je me chargerai de remettre. On retrouvera en fait la même chose que l'année dernière, sauf que c'est moi qui me chargerai de remettre les informations sur Resana. Par rapport à Resana, justement, parce que moi, par exemple, donc Aurélie Le Servoisier pour le PL Saint-Onge, Charente-Maritime, sur mon Resana, je n'ai pas du tout accès à… Enfin, j'ai pas du tout accès à Printemps des Transitions, PA2, etc. J'ai jamais été appelée, en fait. Alors, en fait, ça, c'est normal. C'est-à-dire que ce sont les chargés de mission à ADT qui ont accès sur ce tableau, d'accord, en fait. Voilà, non, vous aurez accès, en fait, bah, vous allez remplir votre questionnaire sur Sphinx. Et ensuite… s'il y a des compléments d'information, ou moi dans un premier temps, ou le chargé de mission ADTDEI reviendra vers vous pour vous demander des précisions.
mais vous n'aurez pas effectivement la visibilité complète des propositions des établissements. Vous l'aurez en fait par le biais de la carte interactive. D'accord. Je m'excuse, Emmanuel. Bon, c'est moi qui n'ai pas dû être suffisamment attentionné. Je ne comprends pas là, l'histoire de Sphinx. C'est les établissements qui déclarent leur projet sur Sphinx et nous, on vérifie que ça correspond bien au cahier des charges. Et vous, du coup, vous avez accès sous Sphinx aux événements ou les établissements nous envoient un projet avec une fiche de candidature et c'est nous qui mettons sur Sphinx au niveau de la DRAF. Non, en fait, les choses ont été faites comme cela, c'est-à-dire que ce sont les établissements qui vont… l'adresse Sphinx était marquée sur la note de service. Oui. On a mis ça en place très vite en décembre, en fait. Et donc, ils vont remplir sur Sphinx. Et moi, je vais compiler les dossiers pour les passer sur Resana. Et à ce moment-là, en fait, vous aurez la visibilité sur vos actions et à ce moment-là, vous pourrez contacter les établissements pour voir s'il y a des soucis. Ok. Mais les établissements, pour aller sur Sphinx, il n'y a pas besoin de code d'accès. Non, pour eux, pour remplir, il n'y a pas besoin de code d'accès. C'est celui, en fait, qui va récupérer l'info, qui a besoin d'un code d'accès et ça ne peut être que la DGER. Ok. Ce qui n'empêche pas que vous ayez un rôle en amont pour étudier avec les établissements ce qu'ils doivent proposer ou pas. Mais ensuite, c'est ce qui fera saisir sur Sphinx sera dans un premier temps épluché par le bureau. Mais ça n'enlève pas votre rôle d'accompagnement et incitatif par rapport aux actions. Et j'ai vu Jean-François, mais il a baissé la main tout de suite. Oui, non, parce que je voulais rebondir sur ce que disait Emmanuel. Il me semblait qu'à la dernière réunion que nous avions eue ensemble, on avait demandé s'il était possible que l'on ait un accès Sphinx, justement, pour voir si vous déposez les établissements. Oui, enfin, mais… c'est possible techniquement. Mais ce n'est pas possible techniquement. D'accord. On a bien pris en compte votre demande, mais malheureusement, voilà. D'accord. Bon. Voilà, c'était tout. Alors, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Et je ne vois pas le chat, donc… Oui, bonjour, je prends la parole parce que manifestement, on ne voit pas ma main levée. Non, je n'ai pas vu. Je suis François Chevenon-Verlac, chargé de communication à la DRAF des Pays de la Loire. Moi, je voulais savoir, qu'est-ce que vous attendez en termes de participation de la DRAF, en termes d'appui à la communication, indépendamment du rôle du SRFD, qui est lui axé sur la validation des candidatures ou des projets des établissements. Je te laisse répondre, Marion, peut-être. En fait, on a constaté sur les deux premiers événements que justement, il y a des chargés de communication en DRAF qui étaient plus ou moins sensibilisés ou intéressés ou informés de l'existence des événements Printemps des Transitions. Et en fait, on pense ça peut être un relais supplémentaire intéressant à la fois par rapport aux compétences que les chargés de com en DRAF peuvent avoir par rapport à l'usage des outils de com, au réseau, au relais, etc. Donc c'était en fait voilà, c'était essentiellement ça, c'était pour faire du lien avec les chargés de communication qui existent en établissement et c'était vraiment pour du coup permettre d'accroître la visibilité de l'établissement. Donc à la fois on a besoin des compétences que vous avez en termes de réseau et des compétences que vous avez en termes d'usage des outils. Alors si je peux me permettre, on a un réseau, nous on l'a dit comme nous en a pas encore parlé, mais ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de séminaire. Il se trouve qu'on en a le fin janvier, le 31 de mémoire, enfin a priori dans ces eaux-là. Peut-être qu'il faudrait saisir le département de la communication, hein, Céline Piquet, pour qu'on voilà, officiellement par la DGR, pour que ça soit inscrit à notre ordre du jour. On est quelques-uns, là, je vois quelques-uns de mes collègues dans ce webinaire, mais ce n'est pas le cas de tous. Donc voilà, il y a peut-être le lien à faire à ce niveau-là pour qu'on examine officiellement, institutionnellement, le sujet. Effectivement, moi, j'ai été informé tout à fait par hasard cette année. L'année dernière, je n'étais pas du tout dans la boucle du projet en Pays de la Loire, par exemple. D'accord, moi, je note. Vous m'avez dit Céline. Céline Piquier. Je lui ferai un petit mot aussi. Ok.
Ouais, c'est intéressant, effectivement. Cette année, vous avez reçu en fait le lien du webinaire directement, ce qui n'avait effectivement pas été fait l'année dernière. Ok. Ok, c'est bien pris en compte. Moi, de mon côté, Marie-Allemand, je vois une main encore. Oui, bonjour. Oui. Je suis chargée de com à la Draft PACA et j'allais vous faire justement la même proposition que François pour notre prochaine réunion. Et ce qu'il me semble, comment dire, pouvoir être fait assez simplement dans les drafts, c'est de relayer les informations sur le site internet de la DRAF. C'est quelque chose que nous pouvons faire en lien avec les chefs d'établissement, avec les chargés de com en établissement et le grand public de cette façon peut être informé. Et éventuellement aussi demander aux chargés de com préfecture de le relayer sur les réseaux sociaux parce que nous, malheureusement, en PACA, nous sommes très, très verrouillés sur les réseaux sociaux. On est impérativement obligé de passer par la préfecture. Voilà. D'accord. Ok. Je note bien tout ça, puisque l'intérêt, c'est que les interactions entre les uns et les autres se passent bien, en fait. Ok, merci. Je ne vois plus d'autres assistants d'Ibandi. Bonjour, vous m'entendez, ça va? Oui, très bien. Merci de me donner la parole. Simplement, j'avais déjà fait remonter à Marion le fait que le titre soit un peu rédhibitoire, printemps, une saison qui n'existe pas dans nos contrées. Donc, je voulais savoir si localement, on pourrait adapter ce titre-là parce que ça n'accroche pas du tout et maintenir printemps des transitions pour les remonter vers la DGER. Donc, est-ce qu'en local, on peut changer, adapter carême des transitions, enfin, trouver un titre régional, tout en gardant printemps sur les documents qui seront remontés à la DGER. Merci. Et effectivement, Stella, j'avais bien eu ton message. Je pense que ce qui serait éventuellement… Alors, ce qui serait, pourrait être intéressant, c'est effectivement que vous puissiez nous faire du coup des propositions parce que c'est vous qui avez bien la connaissance d'un titre qui serait plus vendeur. Et après, ce qui va être dommage, mais peut-être que c'est de pas pouvoir utiliser le kit de communication qu'on avait fait, mais du coup, il faut peut-être qu'on envisage de demander à la DICOM et du coup, ce serait peut-être un sujet qu'on aurait à traiter avec eux au moment du séminaire dont on parlait aussi les chargés de communication en draft, et du coup, voir si on peut éventuellement avoir une adaptation, on va dire, pour l'outre-mer du kit. Stel, ça c'est aussi un sujet qu'on peut éventuellement envisager parce qu'on avait dit qu'on ferait une animation spécifique sur l'outre-mer de PA2 et de l'animation des territoires. Donc c'est peut-être un sujet qu'on peut envisager à ce moment-là, mais si d'ores et déjà vous avez des propositions de titres, faites-nous les remonter et ensuite on verra nous si avec la DICOM on peut avoir une adaptation uniquement du lettrage en fait. Du kit, vous garderiez les mêmes couleurs, on aurait juste le lettrage qui changerait. Donc, du coup, je vous laisse la main pour nous faire des propositions. D'accord, j'ai une réunion avec l'équipe la semaine prochaine, je te fais remonter leurs propositions après. Parfait. Merci. Ok. Très bien, et on pourrait mettre des palmiers peut-être sur la belle affiche. Ok, je ne vois plus d'autres mains levées, me semble-t-il. Je reste à votre disposition. Voilà, le webinaire se termine, mais je reste à votre disposition pour d'autres questions. Je voulais insister sur la nécessité qu'un maximum d'établissements publics privés d'enseignement supérieur s'insèrent dans cette dynamique, en particulier tous les établissements qui bénéficient de moyens humains dans le cadre du dispositif référent EPA2, qu'il en va du succès de cet événement, en fait. La visibilité, la lisibilité, l'engagement des établissements dans la TAE est un facteur d'attractivité des métiers, des formations et des établissements pour assurer leur recrutement.
et pour permettre le renouvellement des générations et accélérer les transitions. Voilà, donc c'est un petit appel. Les SRFD, on a vu leur rôle, doivent stimuler, enfin les charges de mission, entre autres, à des TDEI, les initiatives, coordonner les événements, et donc on compte sur eux. Voilà, et donc je reste à votre disposition et je vous remercie d'avoir participé nombreux à ce webinaire qui, comme le disait Marion, va être enregistré sur le site ADT. Et peut-être Marion, si tu as quelque chose à rajouter. Non, rien de plus. Merci beaucoup pour votre participation. On a bien noté les différentes questions. Et au-delà du webinaire, de l'enregistrement, vous retrouverez aussi ce diaporama de présentation sur lequel on remettra de manière bien lisible le lien aussi pour la note de service. Merci à tous et très bonne fin de journée. Merci à tous. Au revoir. Merci, à très vite. Merci, au revoir.